les zones de surfaçage en fait pour notre face de lunette. Donc dans l'acétate, on va surfacer uniquement face arrière. Ça va être assez simple. Donc grosso modo, en fait, ce qu'il faut, c'est définir des zones dans la lunette. Donc on va le faire sur la moitié seulement au départ, puis après on va faire une symétrie. Donc la partie supérieure qui va être ici. Il va y avoir une zone pour la jambe latérale qu'on va surfacer en verticale, une zone pour le bas du cercle qu'on va surfacer en horizontale, et une zone pour les plaquettes qu'on va surfacer en verticale. Donc ça, on y viendra tout à l'heure. On va faire le tuto uniquement pour la partie supérieure, parce qu'après le fonctionnement reste à peu près identique. Donc en définitive, je vais tirer un guide ici, je vais dessiner mon profil en vue de dessus ou de dessous, hein, comme on veut. On suppose que ma face fait 6 mm. Donc je vais commencer par tirer un guide ici. Pour l'instant, on va la dessiner toute plate avec les points. Je vais créer des points d'inflexion aux zones où je veux qu'il y ait des mouvements. Donc là, je vais chercher à peu près la moitié de mon calibre. Il aurait fallu tirer un repère. Donc là, pour la partie la plus fine au niveau de mon drageoir, on va chercher cette zone-ci pour avoir un petit épaississement. Et on va prendre la zone du nez pour avoir le creux. Voilà. Donc là, j'ai créé mes points d'ancrage sur une droite, en définitive. La raison, elle est simple, en fait, c'est que si je fais 6 mm, ici, je vais rester à 6. Ici, je vais rester à 6. En fait, c'est toute ma zone de charnière, donc je vais la laisser plane. Si je veux, on va dire 4 mm 5. Donc, soit je déplace manuellement où les millimètres sont indiqués, mais c'est pas très pratique. Donc, j'annule le déplacement. Je sélectionne uniquement mon point d'ancrage et j'ai indexé en fait mes touches de curseur sur les dixièmes. Donc, si je suis à 6, que je vais à 4,5 mm, j'appuie sur Shift et j'appuie sur flèche du bas. Je me retrouve à 5 mm, à 4 mm, et flèche du haut sans Shift, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois, je me retrouve à 4 mm 5. Ici, je suis à 6 mm, je voudrais du 5 mm, je vais le mettre là. Et là, je suis à 6, je veux du 4 mm au niveau de mon axe nasal. Je l'appuie deux fois sur flèche avec Shift, 1, 2, et voilà. Grosso modo, mon profil, il est créé. Alors, il demande à être affiné un petit peu, hein, de toute manière. Donc ça, c'est des choses à bien réfléchir, surtout pour les premiers dessins. Voilà, ici. Donc toute cette zone-là, on va être à 6. Donc sur le drageoir, moi, en général, je vais recréer une deuxième courbe ici. On va passer de 4 à 5, donc c'est-à-dire de 5 au niveau des plaquettes, puisque je suis à 5 ici. Les plaquettes, on va les dessiner. Allez, on va le faire aussi pour les plaquettes, sans dessiner la zone, hein. Voilà, grosso modo. Donc si je veux des plaquettes qui vont de 5 à 9, je dessine un début de plaquette, un milieu de plaquette. Celui-là, il m'embête. Hop là, bah tiens, voilà, on va le reprendre, on va le déplacer. Clac. Voilà, donc on a une plaquette là qui est dessinée à peu près. Donc déjà, je l'ai tracé en incolore, ça c'est pas très malin de ma part. Ben voilà, cela a une belle tête. Par contre, je ne sais pas quelle épaisseur elle fait. Donc je mets ça ici en concordance. 1, 2, 3, 4. Et si je passe de 5 à 9, j'ai une plaquette qui est comme ça. Alors, moi je préfère les plaquettes à 8, 8,5. Mais avec le tonnage et ainsi de suite, ça a tendance à partir. Donc, au mieux la dessiner à 9, elle va se bouffer au niveau du passage au tonneau. Voilà, ma plaquette est dessinée. Donc, on dessine toutes les zones. Sur l'autre partie, on fait une symétrie et ainsi de suite. Donc, moi je l'ai déjà fait. Hop là. Donc, voilà, ma courbe elle ressemble à ça. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est toujours partir d'un schéma à peu près standard qu'on copie-colle et on modifie. Voilà, donc les zones, ça va s'appeler up, jambe, down, avec la légère courbe, et plaquette. En général, moi, je suis à 6, 4,5 ici, 5, 4 au nez. Donc là, je pars de 6 jusqu'à 5.
Là, je pars de 5 jusqu'à 4. Je suis un peu plus fin au niveau de mon drageoir en bas. Les plaquettes, je vais de 5 à, 5 à 9, 5 à 10, c'est selon. Donc là, c'est pas mal parce qu'on aura des surfaçages horizontaux ici, en haut et en bas, et verticaux pour les plaquettes et les jambes. La seule nuance, c'est qu'ici, on a une intersection de surfaçage. Donc cette zone-là, de toute manière, il faut les mettre à un petit coup de râpe avant d'envoyer ça au tonneau et on sera tranquille. Voilà, donc là la difficulté maintenant ça va être de convertir ces courbes en surface et ben pour ça on passe sur un export DXF et on va sur Kanban.